Vous êtes avec SBS French. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le mot de la semaine de SBS Easy French. Audrey Bourget avec vous. Cette semaine, notre mot est soleil, qu'on traduit par sun en anglais. Des millions de personnes se sont rassemblées en début de semaine au Mexique, aux États-Unis et au Canada pour observer une éclipse totale du soleil. Si vous êtes envieux, sachez qu'une éclipse totale du soleil est prévue en Australie en 2028. Elle sera vue dans plusieurs régions du pays, entre autres celle du Kimberley au nord-ouest, dans le centre du pays, et à Sydney à l'est. Notez bien que le mot « soleil » s'écrit avec un S majuscule lorsqu'on réfère à l'étoile autour de laquelle la Terre gravite, mais si vous parlez simplement du fait que vous aimez profiter du soleil à la plage, un S minuscule suffit. Je vous laisse avec cette expression française « fondre comme neige au soleil » qui signifie « disparaître très rapidement ». Voilà, c'était le mot de la semaine. Je vous invite à écouter nos mots de la semaine et nos journaux Easy French sur le site web de SBS French et sur toutes les plateformes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre mot de la semaine. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.